Bonjour à tous les amis, c'est Chameleon Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mode en 1.7.10. Je suis désolée parce que les autres fois, à chaque fois j'oubliais de dire en 1.7.10 et tout et tout et tout. Alors nous allons commencer par le petit mode Ant-Man. Donc on va devenir tout petit. Alors on va expliquer assez rapidement. Alors ça, c'est pour crafter l'armure de Ant-Man. Alors, on va prendre l'armure d'or. Maintenant, on imagine qu'on l'a crafté, tout et tout, on va prendre. Comme vous le voyez, il y a marqué PIM particule 0 sur 1000. Donc, en gros, je ne peux pas me transformer en petit vu que je n'ai pas de pouvoir. Alors, il va falloir te crafter ce pouvoir, enfin, entre parenthèses. Il va vous falloir. Attends, je vais déjà me mettre l'armure, sinon ça va jamais marcher. Je vais vous montrer un peu le design. On va se mettre en S5. Alors, comme vous le voyez, elle est très jolie. On voit des petits yeux, là. Et si vous appuyez sur C... Alors, comme vous voyez, ça lève ou le casque. Alors, c'est bon. Alors, il va vous falloir... Un stack de charbon, ou moins, hein, mais voilà, pour être sûr que ça marche. Et tout et tout. On va prendre ça. Vous allez dans le four, enfin, on va appeler ça le four. Vous prenez l'eau. Enfin, d'abord, vous allez mettre le charbon, voilà. Après, vous mettez la lave. Vous mettez la lave jusqu'à que ça aille à peu près en haut. Là, après, vous mettez l'eau. Après, vous allez avoir besoin de poudre. De la poudre d'os. On va prendre un stack aussi. Allez, un petit stack de poudre d'os. Oh, c'est long, hein. Après, il va falloir de l'obsidienne. On va prendre un stack aussi. Bon, on va prendre, allez, 30. Au 31, voilà. Alors, et des perles du néant. J'avais failli oublier. Des perles du néant. On va prendre 16, hein, le maxi. Alors, vous allez mettre la poudre d'os. Si ça veut bien. Voilà, la poudre d'os. Les perles du néant. Et l'obsidienne. Et comme vous le voyez, ça rend. Il y a une barre. Enfin, une jauge blanche qui se remplit, comme vous le pouvez le constater. Ça se remplit. Et pour que ça charge mon armure, bah, c'est un peu logique, hein, je vais prendre mon plastron, que le plastron même. Et comme vous le voyez, ça charge. Comme vous voyez, ça consomme un petit peu. Mais pour aller plus vite, il existe aussi une armure infinie. Par contre, celle-là, vous pouvez l'obtenir qu'en créatif. On va la mettre... Et regardez. Alors, on va faire un petit test. Vous voyez, ça fait même pas un bloc. Et je vous jure qu'on peut passer en dessous quand on est Ant-Man. Alors, regardez. À la 1, à la 2, à la 3. Alors, je suis devenu tout petit. Regardez, je fais même pas la taille d'une feuille. On va se remettre en normal. Alors, comme vous voyez, c'est très troublant. Par contre, on saute toujours un bloc. Ne vous inquiétez pas, regardez. Un bloc. Regardez, on peut passer en dessous. En plus, on peut même creuser, regardez. Voilà, je suis en créatif, ça creuse assez vite. Et aussi, nous pouvons monter, bien évidemment, les lianes. Ce qui est pas mal aussi. Et si nous nous cachons, par exemple... Tenez, on va faire un petit test, attendez. Qu'est-ce que j'ai ici? Attendez. On va mettre... Allez, regardez. On va mettre en grand. Regardez, on va mettre ça.
Imaginez, vous êtes poursuivi par une araignée. Vous vous mettez en petit et vous pouvez passer dans la petite fente. Bon, ça lag un petit peu, on voit le laser un petit peu sur le côté, mais regardez, vous êtes bien caché. C'est juste incroyable. Par exemple, là, on peut se cacher dans les broussailles. Oh là là! De la... Il y a de l'élève. Alors, c'est un petit mode que je vous conseille vraiment pour vous... Pas pour vous faire des barres pas possibles, hein, tout. Je vous conseille de télécharger un autre mode qui pourrait bien aller avec ce ce mode s'appelle Little Block, que je vais sûrement faire une vidéo dessus d'ailleurs, mais je vous préviens avant. Alors en fait, ce mode, il faut que j'arrête avec les deux modes, sert à construire des trucs tout petits, des mini blocs, le quart de ce bloc, le un dixième, enfin deux dixièmes de ce bloc. En gros, si vous êtes en fan et vous mettez ce mode en même temps, vous pourrez faire une petite maison toute discrète. C'est cool, hein. Bon bah voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo assez courte du petit mode Ant-Man. J'espère que vous l'avez aimé et apprécié. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous, venez nombreux, donnez des idées de vidéos. Et à toutes!